Et on démarre un nouvel épisode du Let's Play de God of War Ragnarok, toujours en live. Cette fois-ci, on va continuer l'aventure à Vanheim, puisqu'on a besoin de nous. Donc, let's go. On s'est occupé du loup, dans lequel maintenant il y a Fenrir, donc tout va bien. Garm, c'est géré. Le papounet est très gentil avec son fiston. Sagesse. Et ils se sont même dit leurs quatre vérités, ce qu'ils avaient peur pour l'un, pour l'autre, etc. Salut Anomix. Prêt à sauver Vanheim. Du coup, nous voici revenus sur Vanheim, c'est cool. Où est Freya? Elle est venue ici pour aider son frère. Les Eneriar ont capturé Freyr et Bigvir. Elle a pris la tête du groupe de sauvetage. Comment est-ce arrivé? Une embuscade. Ils sont plus nombreux que lors de votre dernière visite. Pire encore, les loups célestes sont introuvables depuis plusieurs jours. Enfin, je crois. Sans lune pour éclairer le ciel, on perd la notion du temps. Pas de lune. Comme sur leur fresque. Leur fresque. C'est une longue histoire. Tu veux qu'on parte à leur recherche? Je vous en serai reconnaissant. Nous ne sommes pas assez nombreux. Et si quelqu'un peut aider Skoll et Ati, let's go. C'est bien un autre jour. Très bien. Je vois qu'il disait vrai. Vous trouvez... Oh, et du coup, je peux revenir à Daniel dans cette direction. Bonne chance. Ne tirez pas sur les sangliers. Tu crois qu'il m'a vraiment pardonné de l'avoir blessé? Crois-moi, petit. Si le vieux pourceau avait une dent contre toi, tu le saurais. Que s'est-il passé entre vous? Il y a toujours les accès bloqués. Malentendu, conflit de loyauté, promesses brisées. Rien qui vaille la peine de t'en inquiéter. Je suis pas inquiet. Seulement curieux. On peut être proche sans tout se dire. D'accord. Tu marques un point. Hop, du coup, on a un coffre légendaire à choper ici, rien de plus, mais on va aller par là, et là, il y en a un corbeau, un coffre de connaissances. Vamos. Ah, pardon, je me suis trompé. Je suis sous pression, là, avec... Petit rare de berserker juste avant là. Attends, ça a pas fait le bruit d'un. C'était la fleur. Ouais, c'était la fleur, je pense. D'ailleurs, j'anticipe pour ceux qui regardent ça sur YouTube, l'épisode suivant sortira peut-être un peu en décalé. Normalement, il sortira quand même le mercredi, vu que celui-ci va sortir le mardi. Mais il faudra le temps qu'on l'enregistre. Mais il sortira bien le mercredi. Mais pas forcément tôt. Ouais, là c'est pas à qui on est. Changement de flèche. Attention. C'est l'avantage quand tu traverses un petit peu les berserkers. Oui, ça a marché. Je vais juste m'occuper d'eux. C'est que ça te forme pour la suite. Forcément. Ah, je vais lancer. All plain. Vanheim semble si différent des autres royaumes. Il y fait chaud, comme à Svartalfheim. Mais on dirait que l'air y est lourd. Ygros. Pardon? Ygros. Humide. Ygros. Ça me plaît bien. Pousse-toi, petit. Pousse-toi, gamin. Il y a un coffre au-dessus. Ah, on va enfin pouvoir faire... Oh, quel plaisir. Allez, c'est bon, c'est l'épisode du plaisir, puisqu'on revient dans une zone où on avait besoin de la lance. Trouve la Noken. C'est elle qui les rend si forts. Ok, j'arrive.
sur ta gauche. Ça va exploser. Oh, on a une nouvelle. C'est ça. Tais-toi. Sur ta gauche. En fait, la roulade, elle m'enlève un petit peu de l'état de poison, de brûlure et tout. Vous avez vu? Je sais pas si vous avez remarqué pendant le fight. Prudence. Ils sont passés où? Mangés par une Noken, peut-être. J'en doute. Du coup, c'est cool, on repasse dans la zone, on a une deuxième chance de trouver le corbeau. Ça va être dur de ne pas jouer à God of War. Mais il faut, j'ai trop de jeux à tester demain. C'est trop. Là, j'ai réussi à ce qu'il n'y ait pas de trous dans les rediffs. Il y a bien au moins une rediff par jour. On n'a jamais trop de réserves, hein. J'ai vu une forge dans le camp de Freya. Est-ce que Brock les aide depuis tout ce temps? Ah, tu ne connais pas encore Lunda. Une vieille connaissance des frères. C'est vrai, je la connais pas. C'est la forgeronne de Freyr. Intégralement protégée si j'utilise son bouclier. Elle équipe et arme ses gens. Waouh, une autre forgeronne légendaire. J'ai hâte d'entendre ces histoires. Sois attends, prudent, je peux descendre ailleurs. Hein? Pourquoi? Elle est très... familière. Oh, voyons. Le petit est bien trop jeune à son goût. Quoi? On entendra, je pense. Tu sais, petit, avec cette petite escapade en Vanaheim, tu as désormais visité chacun des 9 royaumes. Je suppose, oui. Peu de mortels peuvent se vanter d'un tel exploit. Pas tellement plus de dieux, d'ailleurs. Même ton père n'a pas encore foulé le sol d'Asgard. Et je ne suis pas pressé. Ils disent Vini dit que Freyr et Bilgvir ont été capturés. C'est qui Bilgvir? Un elfe blanc. Un ancien érudit exilé d'Alfheim avec sa femme Beyla. Sans doute la meilleure de leurs guerriers. Pourquoi exilé? Tu devras le lui demander. Mais lui et Beyla désiraient voir s'unir leur peuple. Et je suppose que ça n'a pas pris. Alors, Beyla est une elfe noire? Oui. Bon, j'ai encore plus de questions maintenant. J'espère qu'il va bien. Bah là, ça n'arrête pas. Ok. La Noken leur donne des forces. Bah pas celui-ci, hein. Attendez. Bon, ça suffit. Ah super le lancer en tout cas. On a passé. Où est la Noken? Alors comme ça, on donne des forces. C'est ça. Tais-toi. Oh, deux langues asgardiens. De quoi défite le
Est-ce qu'on retenterait pas le mec avec les sœurs? Non, je rigole. C'est pour la blague. Dans une porte verte comme dans Elden Ring. Parce que finalement, on retenterait pas. Je rigole. Non, on le retentera mercredi. Demain pour les gens de la Rif. Ah oui, par contre, j'ai dit, ouais, il y aura qu'un épisode mardi et qu'un épisode mercredi. Mimir, tu disais bien. À chaque fois que j'explique, il explique des trucs. Après le soleil et la lune, non? J'ai dit que c'était prédit, petit. Une prophétie. Et après avoir vu les normes, nous ne versons plus là. C'est la providence. Regardez-le là-bas. Ont volé la lune. Il essaie encore d'éviter la guerre. Ou bien il s'y prépare. Oui. Il livre une guerre factice dans ce royaume pour distraire ses ennemis. Oui, c'est possible aussi. C'est bon, je peux raconter ma vie. Donc j'ai dit oui qu'il y aurait qu'un épisode par jour mardi et mercredi, mais... Non, pas mardi, mercredi. Que mardi. Mais mercredi, dès mercredi, il y aura plusieurs épisodes. Il n'y a que mardi qu'il y aura qu'un seul épisode. Voilà. Tu vas y arriver, Maury. Tu vas y arriver. C'est difficile hein, de pas perdre le fil quand ils sont en train de parler. Alors où sont les autres lettres? En vrai de vrai, elles doivent être dans le coin parce que ils ont pas fait aller jusque là juste pour le corbeau. Enfin, je pense pas. Peut-être alors. Je. Qui sait? Ah là. Genre, s'il n'y a pas un truc là que j'ai raté. Organisation. Ah, d'ailleurs, faut que je fasse une capture pour une miniature, ouais. N'oublions pas ça. Très dommage. Vous en conviendrez? Vous avez vu où est le dernier? Pas ça. Enfin, je vois bien le dernier être dans le coin quand même, mais je suis aveugle, je pense. Là! Yes! Oui! Ah non, j'ai pas loupé de corbeau parce que je suis à 1 sur 1, donc c'est pas possible. Ça doit être un papillon. Les papillons sont vert fluo aussi. Ce qui est très embêtant. Plus de vie là. Pour aller faire le mec avec les sœurs. Ne bouchera champagne hein, quand je le ferai. Je compte bien le finir. Bon, après, vouloir faire les berserkers dès qu'on y a accès, c'est pas forcément le meilleur du plan. Je peux les sentir là-haut. C'est sans doute leur tanière. Hâte de rencontrer Skoll et Hati, petit. Eh bien, après avoir écouté tes histoires, ça va faire bizarre de les voir en vrai. De la légende à la réalité. Au moins, ça promet d'être passionnant. Bonjour. Je vois qu'ils dorment. Alors, heureux? Ah, je les avais pas vus. Les de la légende. Je te l'avais promis, n'est-ce pas? Passion. Tu te souviens de leur fresque? Ils n'ont rejoint le ciel qu'après le retour de la lune. Puis ils ont chassé une flèche à travers les cieux. Bon, très bien.
Nous ferions mieux d'aller chercher la lune pour la remettre à sa place, non? Tout va bien, rien d'étrange là-dedans. Retrouver la lune volée. Oui, bah oui, faisons ça. Je vais quand même les prendre en photo, mais c'est que pour moi, du coup. Et sinon, ça spoil. Il y a la tête de Kratos, là, ça me gêne. Non, mais regarde, d'ailleurs. Non, pas que j'aime pas sa tête, hein. Mais le sujet, c'est les loups. Kepsarias. Ah, les papillons, ils sont bioluminescents aussi. Les Nériards ont joué un rôle. En enfermant la lune dans une boîte, si mes souvenirs sont bons. La forme de ton crâne. Pas où ils ont emporté la boîte. Ah, ça, quand on se sert d'une prophétie comme d'une carte, il manque généralement quelques détails. Le village d'à côté abrite un camp de guerriers. Une véritable forteresse pour cacher leur butin. Commençons par là. Qui est dans l'armée de Freyr? Pas tout à fait une armée. Bien que Birgir ait été un soldat arpentant la voie des vagabonds. Il manie sans doute toujours sa gigantesque épée brisée. Un vagabond qui ne veut pas nous tuer? Ça change. Moi j'avoue, c'est un vagabond en fait. Je l'ai pas capté. Regardez, il y a des gnomes. Ah. Encore. C'est vrai, mais t'avais pas les bonnes flèches, quoi. Alors c'est bien, t'allais juste mettre derrière. Quand même vachement sympa, quoi. Je tiens à dire que c'est un peu dégueu. Quand même. Tu as vu? Je savais pas qu'il pouvait faire ça. Ouais, c'est un nouvel ennemi. Reste sur tes gardes. C'est ça? C'est ça. Reste sur tes gardes. Il a bien retenu. De circonstances. Savoir qu'on arrive. C'est fou qu'il soit abandonné. Il se cache. Contrairement à notre cher Freya, tous les vannes ne sont pas des guerriers endurcis. Ceux qui ont connu la guerre, c'est plus facile de se cacher dans la jungle avec la nature pour bouclier. Attendez, je m'attendais pas, mais il y a un bruit de corbeau. Non ? Ça va ? Et en vrai, il y a un corbeau ici qu'on n'a pas. Saloperie ! Ah oui, oui, oui ! Vous entendez ? Piou ! Il a fait. Piou, c'est par là. Piou. Piou. Mais si je descends, il fallait pas descendre. Oh, je suis inquiète. Ça y est, je ne suis qu'inquiétude. Bon, on sait qu'il est là, celui qui nous ment. Du coup, là.
Putain, on l'entend, mais... J'ai trop peur de descendre et qu'il fallait pas descendre, quoi. Je vais être très triste, hein. On va le repérer de l'autre côté, on va voir qu'il était en dos. Ce mur, dès que je l'abats, nous frappons. D'accord. Il y a ça aussi, là. Attends. Oh, mais c'est carrément un truc pour passer, ça. Ce qui veut dire qu'on va revenir par là. C'est plutôt bon signe. Oh, j'ai cru que c'était ça, là. Oh, il y avait un coffre. Hein. Personne. Où sont-ils tous? Oh, t'inquiète. C'est forcément une embuscade. Oui. Attention! Je l'avais dit! Faut te plier! Attends! Sur ta droite! Vite! Ouais, je voulais faire ça. Tu pilles Frost! Il a quand même une bonne vie, reprise de volée là. Toi aussi tu veux une reprise de volée? Tiens, t'as l'air d'aimer ça. Le dernier. Les troupes d'Odin. Momentan. Hé, est-ce que c'est... la boîte à lune? En bas. Ça doit être ça. Oh, j'avais espoir, là. Déception. C'est pas ça que je vais faire, là. Mettre la lune à sa place? Oui. C'est un peu bizarre à dire. Mmh. Hé! Hey, vite! Elle va nous échapper! Allez! Oh.
comme si c'était le moment. Oh, ça y est. On peut aller là. Alors attends, je regarde ailleurs déjà. Corbeau. En tout cas, on peut aller là. La course-poursuite, façon moi. Ah, il pioupioute là. Il est là. Je crois qu'en plus, c'est celui qu'on avait raté la dernière fois. Me kiffe. J'ai un doute. Je regarde. Je crois bien. Ouais, je pense que c'est celui qu'on avait raté. Trop bien. Donc on l'a peut-être pas raté. On aurait peut-être... Ouais, on peut peut-être pas l'avoir de là où on était. Là ! Elle remonte la cascade ! Bon, ouais, c'est trop. Sur ta gauche ! Tu t'es fait bifrosser ! Tu t'es fait bifrosser ! Il s'est fait bifrosser ! Elle est toujours là-haut. Une autre embuscade ? Il y a ça que je peux pas. 203. Ils sont stupides. Oui, tu peux le dire. Trop drôle. Oups. En fait, ce qu'on est en train de faire, tout ça là, c'est presque exactement ce qu'on a vu sur la fresque de Scoliati. Les loups sont de retour à Vanheim et nous sauvons la lune. Oui, je me souviens de la prophétie. Alors, ça ne te rend pas inquiet si tout ce qu'on a fait maintenant est arrivé dans la fresque des Jotnar? Souviens-toi de notre accord. Nous ne laisserons pas la prophétie dicter nos actes. Oui. Nos alliés ont besoin d'aide. Concentrons-nous là-dessus. Je veux pas descendre. Mon frère, on s'est trompé de chemin. Notre voleuse s'est dirigée vers le ciel. Ah ouais, mais ça veut dire qu'il y a peut-être un truc en bas. Attends. Non, mais ça veut dire qu'il y a un truc en bas. Attendez, il doit y avoir autre chose à casser du coup. Oh, et ça là? Oh! De pouvoir viser ça! Go! Bifrost! N'est-ce pas? Petit Bifrost là! Il n'a pas l'air de vouloir aller à l'opposé. Non, il veut pas. Je pense qu'on y viendra après. Le pauvre, il doit se dire, qu'est-ce qu'il fait le petit là? Qu'est-ce qu'il fait mon père là? N'importe quoi le petit. Bonjour, on arrive, hein. Laissez-nous le temps d'arriver. Oh, qu'est-ce que c'est? Une fouivre. C'est une sale bête. Faites attention. À gauche, attention. Mais ils sont où, ça? Bon, maintenant le Pokémon.
enfant. Par son attaque. Oui, oui, c'est pareil, ça. Vas-y. Ouais, le laisser être très diversifié. Tout est, bah ouais, tout est inconnu, comme tu dis. Tout est plus, en fait. Tout est mieux. Alors, pas plus dans les tailles de masse, tu vois, par exemple. Ça, c'est mieux équilibré. Mais tu vois, ils ont pas juste fait plus grand, plus machin. Ils ont fait mieux. C'est pas la même chose. et c'est très bien. C'est très très bien. Qu'ils aient fait ça. Bon, allez, go prendre le truc. C'est froid. Est-ce que... ça vient d'Elheim? Emdahl a dû s'en emparer quand j'ai libéré Garm. J'étais là, mais... je ne savais pas. Et tu te bats aujourd'hui pour réparer les dégâts. Tu n'as pas à te sentir coupable. Oui, mais... non, tu as raison. Ouais, c'est des petits morceaux. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, tu découvres les royaumes par petits morceaux. Du coup, à chaque fois, ça n'a pas une dimension trop... j'allais dire étouffante, c'est bizarre dit comme ça, mais tu vois, des fois, quand une map est trop grande, tu dis... oh, pff. Enfin, après, c'est cool, tu vois, c'est-à-dire que t'as plein de trucs à découvrir. Quand on a fait le lac des Neufs, sur celui d'avant, c'est cool, tu vois. Mais d'avoir ces zones, et qui sont du coup différentes, dans des biomes différents, à chaque fois, tu changes de biome, tu changes de coéquipier. Père, comment peux-tu être si sûr que nous avons le choix de faire ce que nous faisons? Nous ne pouvons pas nous permettre de douter. Qui a parlé de doute? Tout ce que nous avons fait jusqu'ici, les géants l'avaient prédit. Nous faisons nos propres choix. Rien ne nous y oblige. Chaque fois, j'arrive pas à déclencher le truc en premier. J'avoue que faire les contenus annexes, par contre, mon perso il est bien pour l'histoire. Il est tranquille. Attention, frère, les couverts. Après, je dis ça, je vais tomber sur un boss, vous allez voir. Hein? J'ai un doute, c'est explosif ça? Ok, ça l'est pas. Attention à droite! Et si tout ce que nous faisons ne revenait qu'à nous précipiter vers le Ragnarok, n'y a-t-il aucun moyen d'éviter le destin? Que nous faisons. Ton destin. Et si on ne peut pas t'empêcher de... Si c'était le cas, abandonnerais-tu les loups et ce royaume? Souviens-toi de notre accord. Pourtant, le garçon n'a pas complètement tort. Tant qu'Atreus vit, qu'il en soit ainsi. Les missions aussi sont variées, je trouve. En fait, tout à l'heure, on parlait de Game of the Year. C'est trop tôt pour pouvoir le dire, je l'ai pas encore fini. C'est vrai que... de toute façon, c'est un excellent jeu. Point barre, j'ai envie de dire. Quand faut y aller. Élire le meilleur parmi les meilleurs, c'est dur. Oh oh oh. Exactement comme dans leur fresque.
je le fais? Tu n'es lié au destin que si tu l'acceptes. Fais-le parce que c'est nécessaire. Pas parce que c'est écrit. Delta! C'est bien, petit. Il nous offre un présent. Un moyen de les appeler quand on a besoin d'eux. Tu te souviens de cet hôtel qu'on a vu en arrivant? Je crois que c'est là qu'il faut s'en servir. Freya saura peut-être. Donc en somme, on nous a donné la clé des jours et des nuits. Ma foi, c'est plutôt pas mal. C'est pratique. Je crois qu'on devrait rejoindre Ildis Vini et lui raconter tout ça. Oui. Rentrons au camp. Je crois que je mettrais tout le temps le jour si c'était le cas. Wow. De nuit, cet endroit est tellement différent. Toujours aussi humide, malheureusement. Ça va, gars ? Derrière toi, mon frère ! Oh, mais ils sont morts bien. Attention, frère ! Oui, toujours très, très igloos. Ça me plaît moins maintenant. Ah, on est revenu à ça. Okay. D'ailleurs, tout à l'heure, j'étais en plein fight quand j'ai parlé d'accessibilité machin. Je parlais pas de l'accessibilité genre. Si on veut un jeu accessible de cette année, celui-ci en est un excellent exemple. Hein. L'accessibilité au sens avec des options pour la vision des couleurs, etc. Celui-ci, il a vraiment beaucoup de paramètres. Et ça, c'est un vrai plus. Là, ici, là. Il y a vraiment beaucoup de trucs. Last of Us avait la même chose. C'est cool. C'est très cool. Non, je suis pas là. Ah, il y a beaucoup. En vrai, je pourrais faire des vidéos pour expliquer ce genre de choses. Je fais trop de vidéos en mode un peu test. Ça. Quand je veux jouer, faut que l'on se passe en avis. C'était horrible, il a coupé les deux bras. Ce n'était pas la même que tout à l'heure, n'est-ce pas? Non. Ils reviennent vite, mais pas si vite. Asgard, qu'as-tu appris d'autre sur l'armée d'Odin? Eh bien, tous les Eneriars que l'on a combattus, ils sont déjà morts au combat une fois. Et quand on les tue ici, ils se réveillent au Valhalla. Ils ne meurent jamais vraiment. Si la guerre est inévitable, il serait bon d'avoir notre propre armée de soldats immortels. Ah, du coup, on a tout dans la zone, ça fait plaisir. Là, il nous manque un coffre légendaire là-bas. Et une connaissance. Mais bon, j'imagine qu'on pourrait y revenir. Celle de la prophétie. Cela n'arrivera pas. Une fixette, hein. Ah, attends, je comprends. T'imagines ton destin, tu l'as vu sur une pierre et tout ce qui est marqué avant, tu l'as déjà fait. Waouh. C'est des trucs, souvent, on aimerait savoir comment on va terminer. Mais en vrai, on veut pas. On ne veut pas réellement savoir comment on va terminer, parce que c'est horrible après de vivre avec. Surtout si c'est un truc violent ou quoi. Il est parti où le deuxième ? Problématique.
faut bien que c'est une place pour le film, hein, j'ai l'impression. Je vais apprendre à parer quand il y aura plus de... Il n'y aura plus d'intérêt. Là, je l'ai fait, mais... Je change. Dommage. Reprends-toi, mon frère, tu peux le faire. Ok. Je t'aime pas. Ne vous pas grise. Doit leur plaire aussi. Faut que je rachète une pierre. Hein. Revenir sans Volver ici et retombe en multipliant les lances. Oh, ça c'est bien contre les sorts. En vrai de vrai. En vrai de vrai, faudrait de toute façon que j'ai tout monté. Ce serait une bonne chose pour pouvoir faire le truc bien. N'empêche que ça, let's go. Mais il décide de mourir, c'est trop ça. Ce serait mal contre... Les sœurs. Ah, il y a une part de moi qui a qu'une envie, c'est de les trahir. Là, je me dis, je vais pouvoir les trahir que dans 48 heures, 24 heures. Je sais pas, attendez. Dans 48, c'est ça. On peut traverser de là-haut. Bon, on va retourner voir Ildis Vini. Et après ? Nous sommes venus pour aider Freya. Nous ne partirons pas avant d'avoir sauvé son frère et l'elfe blanc. D'accord, mais Odin va continuer à chercher les morceaux du masque. C'est lui que cela concerne, pas nous. Oui, mais si ce masque donne toutes les réponses... Alors, il lui en coûtera sûrement. Méfie-toi des raccourcis vers le savoir. Oui, père. J'avoue que l'attaque qui est vers le ciel, c'est pas mal. Ah, faut qu'on l'essaye d'ailleurs. Tu fais ça? Ah ouais, mais faut viser quand même. Nous tuer. Non, seulement celles qui sont colériques. Ah, et après, il y a ça. En prime. Alors du coup, pour viser, imagine je veux viser là-bas. Enfin, qu'on ait des ennemis là. Non, c'est pas ça. Oh, c'est pas mal, hein. C'est sympa. C'est sympa. N'empêche qu'avoir une troisième arme, ça varie le gameplay de fou aussi. L'air d'un... Qui est-ce ? Ah, cette gueule ridée, petit, appartient à Elka. C'est une Blue Thunder. Elle a un don pour suivre une piste. Oh, tu vas l'adorer. Kratos, Atreus. Ainsi, cette éclipse était de votre fait ?
Oui. Merci d'être venu. Bigvir en a profité pour s'enfuir. Et ton frère ? Nous savons désormais où ils le retiennent. Bayla a déjà préparé les explosifs. Si vous voulez bien m'aider, nous partirons dès que vous serez prêts. L'aide d'un autre métamorphe est bienvenue. Va avec lui, Atreus. J'aiderai Freya. Oui, père. Ok. La mèche ne laisse que 30 battements de cœur. Ça suffira. Commence à compter quand tu verras le signal. Viens, Kratos. Partons sans tarder. Beau travail avec les loups. Je n'avais encore jamais vu... J'ai perdu Freya dans l'histoire. Oui. C'est arrivé comme ça quand on a libéré... Oh, tiens. Cet Antilia, il est mignon à croquer. T'aurais dû le voir il y a deux hivers. Il est même plus à hauteur. Mais il est surtout pas avec moi, mais bon. Oh, arrête. J'ai rien contre un petit homme qui pousse. Qui pousse? Vous venez carrément de changer l'heure qu'il est? Là, vous m'impressionnez. Ah. Ça veut dire que... On peut peut-être tenter les seins. Prendre ça dans la couenne, ça doit faire mal. Je me lasse pas de cette blague, hein, je suis désolée, elle me fait beaucoup rire. ah, allons la fin de parade. Oui, mais de toute façon, vu qu'on n'y arrive pas. J'espère que tu te sens remonté. Et pour Dame Freya, ça change pas grand-chose. La vache, je suis bon ou pas? Ah, la gemme, la gemme. Attendez. N'allons pas, hein. D'ailleurs, il y aura sans doute une autre pierre de résurrection, après. Alors, objectif, là-bas. Ok, allons-y, allons-y. J'ai envie de dire. Mais par où je dois partir, par là? Les loups nous ont donné un sceptre. Ils répondront si nous les appelons. Bien. Il existe un raccourci pour atteindre le temple de Njord de jour. Les Aineria retiennent Freyr dans le temple de ton père? Dans mon souvenir, il a toujours été vide. Il y a un hôtel céleste de l'autre côté de la rivière. Selon Bigvir, les hôtels servaient autrefois à appeler les loups. Et nous avons maintenant le sceptre qui nous permet de le faire. Quel est ton plan ? Une fois au temple, j'enverrai à Bayla et Birgir un signal pour qu'ils lancent leur diversion. Je joue dans la difficulté qui te convient. Hein. Il sera bon de ne pas... Je les interromps, mais... Enfin 60. Ah. Enfin. Oh. J'ai enfin 60. Nous profiterons de leur distraction pour prendre à revers la force principale. Pendant qu'Atreus et Hiddis Vini se faufileront pour libérer ton frère. Oui. Et lorsque nous verrons leur signal, nous nous retrouverons sur la rive pour fuir à bord du bateau de Freyr. Du coup, regardez. Tac. Oui, je vous remontre. Hop. Obtenez une accélération et parcourez plus de distance lors des esquives. J'ai pas remarqué de différence, c'est terrible. Ah. Attendez, faut faire lui d'abord. Vas-y. Ah, c'est quand je fais ça. Oh, c'est quand je fais ça, regardez. C'est pas quand je fais ça. Ok. Oh là là, je suis la mobilité même. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi, par ici? Freyr est détenu prisonnier au nord. Suis Freya, mon frère. Non mais elle est là aussi, Freya. C'est pas moi. Il y a des petites paillettes en plus, exactement. Oh,
C'est une technique. Allez, tu brûles. Changement de flèche. On pourrait mieux viser. C'est ce qu'il que je devrais faire. Plutôt que les roulades. Les roulades, c'est lourd. Tu disais le problème c'est que normal je trouve trop dur en facile, je trouve trop facile. Ah c'est embêtant quand ça fait ça ouais. C'est très embêtant quand ça fait ça. Du coup tu sais jamais trop dans quoi te... J'avoue que moi je me pose jamais la question, je mets toujours en normal pour un premier game. Après ça m'est déjà arrivé mais rarement. De refaire en difficile, par exemple Ray je l'avais fait en cauchemar parce que j'avais envie d'y rejouer et que c'est pas un jeu j'ai envie de compléter le truc cauchemar, mais en vrai ça avait été un cauchemar parce que les gens ne lisent pas le titre sur Twitch et du coup, alors peut-être plus maintenant que ceci, hein. Et du coup ce qui se passait c'est que ils pensaient que je jouais en normal. Est-ce que vous savez comment ça se fait que c'est comme ça? Comment ça se fait que ça met tant de temps à tuer celui-ci? Depuis la dernière fois. Nous sommes trop désavantagés. Du coup, c'était... Après, c'était il y a quelques temps déjà. Donc, je pense que les gens maintenant font plus attention à ça. Après, des fois, les gens ne disent même pas quel jeu c'est, donc c'est compliqué. Quand je dis ça, on dirait trop, je juge et tout. Mais c'est juste que c'est déjà arrivé. C'est quoi le jeu? Tu joues à quel jeu? Ah, ça, c'est un peu compliqué, du coup, quand ça arrive de... Après, moi, je me dis toujours, on connaît pas les gens... On sait pas comment ça se passe pour eux, est-ce que c'est facile pour eux de lire, etc. Donc en général, je réponds à la question, même si elle peut paraître... Force-la à se taire. Ah oui, l'autre là-bas. J'arrive. Elle est où? Là. Voilà, mais on voit rien. Tiens,
Va falloir que j'avance. Attends. En vrai, je pense qu'on pourrait essayer de les buter malgré la reste. Non. Est-ce que c'est possible? Avec le bifrost, ça doit être possible. T'as la foi. Ouais, bah je me dis. Moi, c'est pas grave, tu vois, de répondre à la question. C'est pas gênant. Ma foi. C'est pas bougé, hein. Alors là, c'est dans le truc là-haut. Okay. Ah, ça va être chiant, faut que je les amène là-bas. Mais voilà, en termes de difficulté, il y a des trucs qui vont être chauds hein, en mode très hard. J'ai pas du tout suivi ce que c'était fait, etc. J'aimerais bien voir des gens faire en très difficile, des boîtes ils doivent tout esquiver. Et eux, ils doivent savoir faire les contres. On va pas se mentir. Bifrost c'est vraiment fort à chaque fois. J'aime bien cette attaque. Il y avait un truc en haut du coup. J'ai zéro patience. Après ça s'acquiert. Hein. Je sais pas, je répondais aussi bien il y a 8 ans. Essaie de faire glisser le sceptre dans la cloche plusieurs fois. Parce qu'il faut prendre conscience que justement tout le monde fonctionne pas comme toi. Oh là là, c'est beau ce que tu fais, Kratos. Bien, c'est le bon moment. C'est pareil pour le fait de prendre trois cœurs, les commentaires, ce genre de choses. Ça vient avec le temps. Nos actes dans ce royaume sont ceux de la prophétie des géants. Atreus croit le Ragnarok inévitable. Les normes ont été très claires quant à la nature de la prophétie. Elles nous ont dit que la somme de nos choix était prévisible. Mais nous avons changé. N'ai-je pas raison? Peut-être. Au revoir. En vrai, par exemple, tu vois, si tu joues en une difficulté un peu vénère, je me dis, typiquement, le fait qu'on puisse... Attention, frère, tu es couvert de bifrost. Pousser les ennemis dans le vide, c'est un truc dont il faut absolument tirer parti, par exemple. Ça doit faire mal, mon frère. Tout va bien? Les Nornes ont dit que tu tuerais Heimdall, mais tu as choisi d'emprunter une autre voie. Lors de notre rencontre, rien ne laissait croire que tu prendrais cette décision. Et toi, cherches-tu toujours le Ragnarok? Odin a de nombreux comptes à rendre. Si la prophétie de Groa se réalise, peut-être mon royaume connaîtra-t-il enfin la paix. Et peut-être que moi aussi. Pardonnez à cette pauvre tête portative, mais ne venons-nous pas d'établir que les prophéties ne sont qu'un tas de sottises? Oh, par les dieux, Mimir. Quoi? Tu es l'homme le plus agaçant qui soit. Quand même, rien que ça. C'était pour remonter. Ah! On est revenu à... Ok. N'est-ce pas? Il est délicat. Tout à fait. Mais du coup, ouais, le faire en difficile en live, faut avoir la foi. Y a pas mal de gens qui le font. Respect. En voilà d'autres. À ton signal. Que ce soit pour la difficulté ou les éventuels commentaires. Bifrost, dis-toi.
Attention, frère, tu es couvert de bifrons. C'est dommage que je peux pas prendre du dessus, mais... Alors, bon là ça marche pas. Faut pas qu'il remonte, hein. Remonte, Jean-Ed. Pas de descendre par ici, ça m'arrête. Mon bouclier, maintenant. Eneria, sur la gauche. La jauge de Bifrost que j'active jamais. C'est bien, je trouve qu'on fonctionne le jeu. Le pire c'est qu'ils ont pas, hein, mais je pense jamais à l'activer. Oh là là, ça doit être frustrant, regardez. De Bifrost, de permafrost et de d'immolation. C'est comme ça, mais comment c'est moi qui en ai parlé, désolé, je suis... Ah non, tu m'as pas froissé, sinon j'en aurais pas parlé comme ça. Au contraire. Non, non, justement, c'est vrai que j'arrive pas à les faire correctement, ça me saoule. J'arrive pas... Au début du let's play, bah du coup, tu l'as vu, toi, le let's play, vu que tu m'as fait le commentaire. Au début du let's play, je trouve que j'arrivais un peu à les faire. Et là, depuis quelques temps... À chaque fois, du coup, je le fais plus parce qu'en fait, je me dis bah. Mais non, non, c'est pas parce que j'en reparle que ça m'a dérangé, t'inquiète, au contraire. C'était un commentaire qui était legit. Hein. Y'a pas de soucis. Si je gérais mieux mes esquives et que j'arrivais à faire des contres, les fenêtres d'attaque seraient. C'est un peu comme quand on était en donjon avec mes coéquipiers là sur New World et que j'ai dit si on meurt pas, on gagne. Hein. Surtout quand je l'ai dit, ça me paraissait pertinent, mais bon. Le fait est que... Oui, effectivement. Et voilà, je sais pas le caler. Mais non, tu vas pas froisser. Peut-être que je repars. Voilà, oui, non. Faut lui faire un commentaire. Regarde ça. Non, non, y'a pas de soucis. Surtout que vos commentaires étaient très gentils. Mais pas de... J'ai eu des gens sur Elden Ring qui me disent « Mais putain, sers-toi de la parade !» Là, tu vois, ça, c'est la mauvaise façon de le dire, quoi. Si tu dis juste « Je pense que ce serait mieux si t'arrivais à faire des cons », ça va, tu vois. C'est correct. Bravo. Qu'est-ce que j'ai eu, là? Oh, la bravoure régénère moins de santé, mais offre un bonus, un puissant bonus de temporaire de force et de vol de vie. Ah, à voir, hein. Tu crois que j'aurais la maintenir plus? C'est ce que je me disais. Après, le truc, c'est qu'en plus, je fais tout le temps le double, là, ce truc-là. Bah là, ah bah je suis en... Ok.
Parce qu'en fait, j'ai commencé à le faire avec le bleu. Donc là, il me déclenche un truc quand je l'utilise. Il faudra que je fasse ça. Il faut que je maintienne. J'ai bien usé ma jauge en tout cas. GG. Je crois que j'ai eu un appel important. Bon. Tant pis. Oh, on est revenu au Nifrog. Hélas, pauvre Nifrog. Non, Nifrog. C'était un obstacle. Pas de R. Oh, je n'en doute pas. C'est étrange toutefois. Que faisait-elle ici? Odin s'est servi de racine de l'arbre monde dans le sort qui m'empêchait de quitter Midgard. Nifrog protège ses racines, où qu'elles se trouvent. Ah, je vois. Odin s'est servi d'elle. Et elle en a malheureusement payé le prix. C'est typique d'Odin. Ah, c'est gentil. J'avoue qu'en live, on a tendance à répéter les choses. Hein. Donc forcément, ça peut donner l'impression. Il n'en est rien. Un peu comme à l'école. Hein. Oh, cette porte, elle fait tellement ton hasard. Merci à Kakutse, merci beaucoup. Je ne m'inquiète pas pour Atreus. Il est prêt à se battre seul. Un hôtel céleste a été ajouté. Alors attendez. Parce qu'il faudrait juste que je fasse un truc par rapport à cet appel. Du coup, tac. Je mets. Si je remets play, c'est mieux. Let's go. Nous y sommes. Il y a un hôtel derrière ces ronces. Un hôtel ? Il y a un hôtel ici. Hall, s'il te plaît. Il faut tout faire ici. Es-tu prêt ? Oui. Garde-le, c'est un truc délicat. Je ne partirai pas d'ici sans mon frère. Je trouve ça trop drôle. C'est beau là, hein? Est-ce qu'on ferait pas une miniature avec ça? Y a moyen. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Hop! La bagarre. Par ici, la bagarre. Nous venons te chercher, Yngvi. Bonne année! Je... Oh, stylé! Vous venez de révéler votre position. Oh, les imbéciles. C'est quoi l'imbécile? Oh! Voyez-vous ça, la reine du Guy en personne. Il la rend vraiment. Ça faisait longtemps. Emdahl. Et toi, tu dois être le père du petit bâtard. C'est mon jour de chance. Tu as des comptes à rendre, mon lapin. Toi aussi, traître. Je préfère être un traître que le toutou d'Odin. Va. Ce fardeau est le mien. Je peux t'aider. Je sais. Mais tu es attendu ailleurs. Il a raison, tu sais. Les braises étaient encore tièdes lorsque je suis parti. Je sais que tu ne voulais pas de ça. Mais nous savons comment ça se terminera. À bientôt. À bientôt. Oh, nous savons tous les deux que c'est faux. Mais ne t'en fais pas, Frigg. Je viendrai pour toi et ton cher frère dès que j'en aurai terminé. Allez, ici. On est censé jouer la lance, hein, vu que c'est Emdahl. Alors, allons-y. Je ne vais pas mentir. Je suis déçu. Oh là ! C'est quoi que ce soit ? Ah, tu t'attendais pas à ça. Hein.
de colère. Vraiment? C'est toi qui as tué Baldur? Allez! L'avantage avec ce shield du coup, c'est pour celui qui envoyait à... qui faisait un truc, fallait que je me rapproche. Bah y'a pas besoin quoi. Oh là là! Bah non, c'est faux. Parmi grosse menteuse un peu. Ça c'est fait. Très bien, juste toi et moi dans ce cas. Ouais. Joli bâton. Qu'est-ce que... Je sens ta frustration. C'est extrêmement satisfaisant. Et maintenant, mon frère, la lance est notre meilleure chance. Bon, je pense que je vais juste faire la lance quand même. Hey, doucement! Des brassards tout neufs! Oh, pardon! J'espérais que le bâton te donnerait un avantage! Hilarant! L'héritier des As, terrassé par la canne d'un vieillard! Oh! Oh, il a pris un coup. Tu m'as porté un coup. Oh là, vous êtes pas là. Pas si vite. Voilà. Je ne me rappelle même pas la dernière fois qu'on m'a frappé. Tu sais, la douleur est moins terrible que dans mes souvenirs. Pas si vite. Ah ben là, je pouvais pas bloquer, je suis trop bête. Je me suis servi de cette épée pour la dernière fois. Frappe-le, rien qu'une fois. Il suffit de trouver une ouverture. Tu penses que tu vas pouvoir renverser Asgard? Vraiment? Pas costaud finalement. Comme une vieille vache. Et voilà, une armure digne d'un dieu. Alors là, tu vas prendre cher, je te dis. Pas si vite. Frappe-le, mon frère. Oui. Pas si vite. Maintenant. C'est marrant, c'est son arrogance qui le... À la base, il évitait tout. Ah dommage. Je pensais que ça... Il faut que ce soit après ça. Personne ne viendra à ton secours. La reine du Guy ne peut rien pour toi. Il ne reste que toi et cette maudite tête.
frappe-le, mon frère. Un truc en mode passif. Pacifique. Frappe-le, mon frère. Oh, faut qu'il m'attaque là. Pacifique. C'est le moment. C'était pas ouf. Vas-y. Frappe-le, mon frère. Pacifique. Maintenant. Pacifique. C'est marrant, il dit maintenant, mais on avance. C'est dommage. Oh là là. Vous rendez compte ? Une dalle, quoi. Ça va, arrête ! Arrête ! Oh là 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 là, la dingue. Il reste que 20 minutes, faut qu'on se dépêche. Quoi ? Que se passe-t-il dans cette toute petite tête ? Oh, il m'énerve, décapite-le. Oh, non, 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 non. Tu comptes me laisser la vie sauve par pitié ? Il les bras et les jambes, au pire. Comme ça, il rompra. Tu vivras peut-être. C'est à propos de l'avorton ? Il roulera. Pour esquiver. Oh oui, j'ai la ferme intention de l'étriper. Voilà. Moins facile, ça, avec un bras mort. C'était le dernier avertissement. Je doute que les avertissements suffisent. Tu penses vraiment que tu vas pouvoir t'en tirer comme ça ? Oh là, non. Il y a des dents noires ou quoi ? Ce n'est pas comme ça que ça marche. Oh bah. Non mais... Tu n'es pas et tu ne seras jamais le maître de mon destin. Tu es mort, mon lapin. Ah bah sert pas. Oh là là. Tu prends beaucoup trop au sérieux. Ignores-tu qui je suis ? Je suis le veilleur des As, le héros du Ragnarok. Arrête ça ! Je vais trouver ton sale bâtard de fils et réduire son corps en... Il mérite tellement la main. Un seul d'entre nous s'en sortira. Et je peux t'assurer que ce ne sera pas toi. Pacifique. Comment as-tu osé m'épargner ? Est-ce que j'aime cette compétence ? Je commence à en avoir assez de toi ! Ah !
Oh là. Mon frère. Mon frère. Passe trop tard. Arrête. Ne t'engage pas sur cette voie. Sale histoire. Sale histoire. Oh, mais le bully est mort, ça fait du bien quand même. Même si je maintiens que les deux bras, les deux jambes, c'est une meilleure idée. Mais... ou juste les deux jambes. Kratos, c'était vraiment... J'ignore si c'est nous qui brisons le destin ou si c'est le destin qui nous brise. Est-ce qu'on est très en retard ou pas? Ça va, 11%. Bon. Alors écoutez, normalement il me reste 10 minutes pour continuer. Améliorer pour monter, déformer le temps et l'espace en exécutant un glissement de royaume. C'est-à-dire. C'est pas clair. Mais j'ai peur que là. Parce que s'il y a un fight encore. Bon, on va bien voir, écoutez. J'ai rendez-vous à 20h, il est 44. Hé, hey, un petit coup de main? Au moins, le sauvetage se passe bien. Avec un rond là. Oh. Hey, debout. Devine quoi? On est tombé dans une autre embuscade. Taylor est blessé. Nous devons le faire sortir d'ici. Je peux le faire. Mais nous ne passerons pas la porte. Nous sommes piégés. Je pensais ça le combat. Je l'attends. Ok. Il va y avoir un fight final contre un gros boss. Ah, quand Kratos est là, hein, c'est pas la même limonade. Par contre, ah, c'est bon, je peux remonter par là. Vous êtes ok. Nous ne tiendrons pas éternellement. Hé, hey, j'ai une idée. C'est quoi ton idée? Non. Vas-y, vas-y. C'est un peu les Avengers, hein. Vous trouvez pas? Ils sont tous regroupés, là. C'est mignon, un peu. C'est quoi ton idée, Brandon? Dis-nous. Si tu nous dis pas, on n'est pas rendu, hein. T'as une idée, ok? What's next? Ha! 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 Ha!
Il va rien se passer, non ? La porte est tombée. Peux-tu marcher? Ah bah voilà. Pas sûr, mais je vais essayer. J'ai non. porté. Non. Pardon. Je peux très bien. Tu ne peux pas. Au, au, au. Doucement. Avec moi. En avant. Ah. On a de la visite derrière. Oh non. Ça va. D'accord. Cette phase. Marchez droit devant. Oh, sérieusement? Non, c'est trop bien. Hop là. Joli coup, mon grand. Bonjour. Ah, j'aime beaucoup. Tu vas bien? Bonjour. Non. Accroche-toi. La petite phase vidéo là, elle est trop bien. Allez. On y est bientôt. C'est non. Sur ta droite. Continuez. Nous sommes presque à l'arrivée. Oh, trop tôt. Il a pas de problème. J'ai envie de vomir. J'ai envie de vomir, Guido. Non. Il a compris qu'il avait plus le temps, Kratos. Où est le bateau? Lance-le dans la rivière. Dépêchons-nous. Ça ne les arrêtera pas longtemps. Allez, balance. Wow. Mais oui, Skiz Blasny, le bateau de Freyr. Ils vont se rassembler. Allons-y. Good. Joli bateau. C'est bien fait, on le sent. Vous auriez dû voir vos têtes. Du calme. Ils volent. On vole. On va se pencher quand même. Je savais qu'ils voleraient. On a de la compagnie. Il y en a un autre. C'était trop beau pour être vrai. Quelqu'un peut m'aider? Ils vont trop vite. Attention. Sjadvrutin Salma. Hej vem där är drin? Nej. Du mår. Om då den är.
Oh, ça peut peut-être amortir le, la chute. Vraiment que ça en est fini de Birgir? Tu penses qu'il a pu survivre à ça? Il est quelque part à se curer les ongles avec les plumes de la bête. Je le sais, il... Et... Ah. Il a survécu. Nous y sommes presque, Yngvi. Tu dois tenir encore un peu. C'est pas comme si j'avais d'autres choix pour le moment. On est arrivé, c'est parfait. En plus, ça va coller pile poil en termes d'horaire, c'est cool. Faut du linge et de l'eau chaude. Une racine rouge et de la cardamine, je sais. Tu crois que c'est la première plaie que je referme? Oh, mais t'as pas de soucis à te faire, hein. J'ai pas touché à tes affaires pendant que t'étais dans tes galères, hein. Oh, bon sang, Lunda, doucement. Pourquoi tu t'en prends à moi? C'est pas moi qui t'ai embroché comme un cochon. Excuse-moi. Freya, tu veux bien l'aider? Ou même... venir prendre le relais? Reste tranquille. Elle va te stabiliser pour que je puisse t'emmener chez Sindri. C'est là que sont toutes mes herbes. Nous restons ici pour protéger le royaume. Tous les quatre. Vanaheim compte sur vous. Cap sur la maison de Sindri? Où qu'elle se trouve? Ton bateau. Non. Je t'en fais cadeau. C'est bon, garde-le. Envole-toi. Prends le soleil à son bord. Ça te fera pas de mal. Sois digne d'un dieu Van. Oh. Ah. Il te donne son bateau? Génial. Il ne m'a pas laissé le choix. Parce que c'était nécessaire, pas parce que c'était écrit. La prophétie dit que le Galarorn sonnera le Ragnarok. Quoi que cela implique. J'ai fait des recherches dans la bibliothèque d'Odin. A priori, il... Non, Atreus, nous parlerons en privé. Ah, bah ça tombe bien. Parce que s'il continuait de parler, j'aurais été embêtée. Hop. Il est parti au moment où j'ai fait ma photo. Je le déteste. Ok. Eh ben nickel. Eh bien, bien sûr, on va s'arrêter ici, les gens. Comme je vous ai dit, on a 4 minutes, c'est bon, de l'horaire qui était prévu. Tout va bien. C'était nice, hein. C'était encore très nice. Pour ceux sur le live, la suite, mercredi. Pour ceux en rediff, la suite, mercredi aussi. Ça change rien pour ceux en rediff.